Ce lundi 6 février, dans l'amour et dans le pré, la suite des portraits des agriculteurs ont été diffusés sur M6. L'occasion de faire connaissance avec Patrice qui a eu le droit à son premier câlin avec Karine Le Marchand. Un geste de la part de l'animatrice qui a été largement salué sur Twitter. Quelques mois après la fin de la 17e saison de L'Amour est dans le Pré, Karine Le Marchand a repris le chemin des routes de France à la rencontre de nouveaux célibataires dans le but de préparer l'édition 2023 de l'émission Champêtre. Les premiers portraits ont été diffusés le 30 janvier dernier sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les 7 premiers agriculteurs au casting et ainsi d'en apprendre plus sur leur passé amoureux. Baptiste a mal vécu son divorce avec son ex-femme. Depuis, il voit moins sa fille, Léontine, âgée de 3 ans et demi. Roméo a lui aussi eu un parcours de vie chaotique. En 2014, il a été victime d'un terrible accident de voiture à la suite duquel il a passé plusieurs mois à l'hôpital. L'amour est dans le pré 2023, de nouveaux portraits diffusés sur M6 ce lundi 6 février, M6 a diffusé la deuxième soirée consacrée au portrait de l'amour est dans le pré. 7 autres agriculteurs ont échangé avec Karine Le Marchand. Cyperine a impressionné l'animatrice en lui révélant le nombre d'escargots qu'elle élève, 200 000 au total. Jean-Paul a raconté le difficile accouchement de sa maman survenu à son domicile. À ma naissance, maman a accouché à la maison et ça s'est très mal passé. Elle a été complètement déchirée. Ils ont tout refait. Pas tout de suite, ça a duré des années, a-t-il expliqué. Cette soirée a aussi été l'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec Patrice, un agriculteur atteint d'une maladie appelée l'hémiplégie et originaire de Normandie. Le geste de Karine Le Marchand envers Patrice ravit les internautes en se confiant à Karine Le Marchand. Patrice a révélé avoir toujours manqué d'amour. Mais surtout, il n'a jamais pu tenir quelqu'un dans ses bras de toute sa vie. Si est-il ce qui me manque, a-t-il dit avant de fondre en larmes. Une confidence qui n'a pas laissé l'animatrice indifférente. Tu veux commencer avec moi? Lui a-t-elle alors demandé. L'agriculteur ne s'est pas fait prier. Il a eu le droit à un gros câlin de la part de Karine Le Marchand. Un geste que les internautes ont largement salué sur Twitter. Trop gentille Karine en vrai, Karine est tellement bienveillante auprès des agriculteurs, si est-il touchant, oh ou quel beau moment. Merci Karine pour tout ça, pour cette attention, cette humanité que tu transmets à toutes et tous. Voilà pourquoi on aime toujours autant te retrouver chaque saison, peut-on lire. Je te souhaite de trouver le bonheur Patrice. Très touchant et très émouvant. Hashtag adppic.twitter.com/suzinte29gu, Mr. Eddy @Eddy Toto, February 6, 2023 Patrice, j'espère que tu trouveras le bonheur. Et oui, faire des câlins ça peut vraiment manquer. Visage fatigué, hashtag ADP, la marquise, biceps contracté, il clipperton, @angécémoi, February 6, 2023 nous devant le câlin de Karine et Patrice, visage qui pleure, hashtag IDP 2023 ADP pic.
twitter.com/devouillebeneufis, les tacleurs 17, février 6, 2023. Beaucoup trop de mignonnerie dans cette scène de câlin entre Karine et Patrice. #ADP #ADP 2023 #ADP 23 pic. twitter.com/clickaj67c3h, gaël@bisogil, février 6, 2023. Mot kikinou. Patrice qui avait jamais pris personne dans ses bras, visage qui pleure, visage qui pleure, visage qui pleure, visage qui pleure, #ADP, dakaiti@messane-ba, février 6, 2023. Franchement il est adorable Patrice. #ADP, perplexe pouce, Union Européenne, France, Grande-Bretagne, drapeau blanc, arc-en-ciel, drapeau noir, crâne, Ukraine, @max6477974.8, février 6, 2023. Trop gentil Karine en vrai, visage câlin, #ADP 2023, #ADP, falbala-bala@falbala-bala, février 6, 2023. Karine est tellement bienveillante auprès des agriculteurs, si est-ce touchant. #ADP, analpha-anna-chls, février 6, 2023. Oh quel beau moment, merci Karine pour tout ça, pour cette attention, cette humanité que tu transmets à toutes et tous qui arrivent dans les émissions. Voilà pourquoi on aime toujours autant te retrouver chaque saison, visage câlin, visage câlin, visage câlin, #ADP 2023, #ADP, Sam les casse, scorpion, carreau, @Sam les retours, février 6, 2023, cœur cœur sur Karine, #ADP 2023, #ADP pic. twitter.com/viefdenouamoule, stanolelubric@apa666, février 6, 2023, Karine est un amour. Ça peut paraître anodin mais serrer cet homme dans ses bras alors qu'il n'a jamais reçu de câlin, c'est vraiment adorable. #ADP, lexi@srxrlm, février 6, 2023, elle est trop choupinette Karine. #ADP #ADP 2023, Mzelpis, France, Union Européenne, Ukraine, @melodynelson81, février 6, 2023. Il me fait beaucoup de peine, visage qui pleure, Karine adorable, cœur, #ADP 2023, #ADP, benjamin@newman-ba, février 6, 2023, #ADP, il a tout gagné un câlin avec Karine, signe OK, fabenanou@fabenanou, février 6, 2023, tu as raison Patrice, il faut oser. Sûrement le coup de cœur de cette saison #ADP, #ADP 2023 pic. twitter.com/djhbk9, stefkg@kg-bastef, février 6, 2023. Mais comme il est chou Patrice, je lui souhaite tellement de rencontrer le grand amour, main croisée, visage ange, étincelle, #ADP, #ADP 2023, sauf des polders, peau blanche, @polder, février 6, 2023. À lire aussi, qu'est-ce que l'hémiplégie, le handicap dont souffre Patrice, l'amour est dans le pré 2023.